Bonsoir. Alors, on se retrouve. C'était pas prévu, hein. Mais on se retrouve pour un match de lycée. Donc, un match qui se déroule. Qui est le premier match pour le 45e. Donc, le lycée, c'est l'European Infantry Cup. C'est une sorte de NWL, mais. Passe pas au exactement au même moment, qui est un peu moins hypé, mais il y a quand même des bons rushs. Donc, pourquoi je filme Parce que. Le 45e est en train de jouer, donc le 45e est un régiment du 4ème corps, hein. Vous venez juste de sortir de la grotte. Ils sont en train de gagner. Donc, enfin, j'aimerais bien filmer leur victoire. Je sais pas si eux le font. Oh. Allez, 3v1 là, faudrait peut-être aller ensemble. C'est Serkrim qui lead le 45e. Donc, Jeanne, c'est. Un joueur assez bon, qui a un style de jeu très cancer, genre il spam énormément. Voilà, on va jouer le carreau. Donc ça fait 3-0 pour le 45ème et c'est assez assez cool. On peut se le dire. Voilà, comme je disais, c'est du côté du 45ème, c'est Sirkrim qui lead. Et du côté du 18ème, ça doit être John Price. Voilà. Bon, John Price, il a quand même beaucoup d'expérience en lead. Le 18ème, c'est un vieux rage. Il existe depuis assez longtemps. 45ème aussi, mais Sirkrim est un peu plus récent en tant que leader. Mais pour l'instant, le 45ème est devant. J'espère qu'ils en resteront. Bon, voilà, je vous laisse un petit peu voir les équipes. Mais je pense que les gros joueurs dans chaque team, côté 18ème, c'est Jeanne. Ensuite. Orkin, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Après Freedom XD, je sais plus trop qui c'est, mais il me semble qu'il est pas mauvais non plus. C'est pas ici non plus. Mais il y a quand même des meilleurs joueurs en français qu'en anglais. De meilleurs joueurs au 45ème qu'au 18ème, de ce que je vois. Voilà. Il y a Nicole Fournier chez les anglais qui a 8200 kills. Incroyable. Du cul. Ah non, 8200 morts. Ça se rapproche. 45ème qui cherche pas forcément. Cherche pas forcément le cac au premier abord, ce qui est pas débile parce que. Lancer de la mêlée alors que l'ennemi est en haut d'une colline, c'est jamais pratique, surtout au niveau des allonges. Optimal quoi. Sais pas qui est à la fin, ça doit être Stéphane, je suppose. Oh non, Stéphane n'est pas là. Ça doit être Exeter. Exeter. Ok, donc ils engagent la mêlée en bas d'une colline. Donc. Ah, le but c'est que l'aile droite pousse et que l'aile gauche recule, hein, vous voyez bien. Un kill de chaque côté. Là, il faudra arrêter de bouger. C'est assez bordélique. Le 45ème encore a essayé de tenir à quelque chose, mais le 18ème c'est. Iskand 12. Ça va être compliqué, même si. Dommage, c'est la ligne du 45ème de GF a été coupée en deux, du coup ils se sont retrouvés un peu isolés et ça a explosé. Pourtant le 18ème a quand même. Enfin, je sais pas, le 18ème a pas été. Enfin, ils y sont allés au skill individuel quoi, donc.
Ça a fonctionné pour ce round-là. La map est quand même globalement aux avantages des Anglais, hein. Vous voyez les deux grosses collines là. Enfin grosses. Elles paraissent pas si hautes que ça. Mais bon. Attendez qu'ils spawnent presque sur une des deux. Hein. Alors que les Français spawnent là-bas. Voilà, chose la plus simple à appréhender. Même si là c'est le 45e qui a... Il a réussi à s'y mettre. Faire plus de tirs, je sais pas. Attendez qu'ils sont déjà un de moins. On peut grappiller 2-3 kills de tir avant la mêlée, c'est toujours pratique, surtout que je pense qu'au cas que les 45e sont au-dessus. Ils sont au-dessus même. C'est juste les engagements quoi, il faut qu'ils soient un peu plus en leur faveur. Pas que ça tourne trop comme la dernière fois, pas le round d'avant. XVIIIe cherche toujours le cac. C'est toujours eux qui prennent les risques. C'est risqué ça. Ou c'est risqué. Allez, rien n'est perdu. Allez, 45e, on y croit. Il n'y a que 2 kills à rattraper, c'est rien du tout. Surtout qu'il y en a un qui a crash là-bas. Et là, vous voyez? Exactement la même chose. Vous en avez 3 qui se sont divisés. Bon, du coup, là, ils vont essayer de revenir. C'est bien ça. De côté. Ouh, ça c'est vraiment... Le nombre de pocs, c'est hallucinant. En fait, quand le 45e, ce qui est une très bonne tactique, hein, mais d'avoir une aile qui se replie et l'autre qui pousse. Mais le problème, c'est que quand votre aile qui se replie vers l'extérieur, ça fait que ben, vous divisez votre ligne de GF en deux. Et du coup, vous faites tout simplement backstab, quoi. Surtout que les 18e sont cancer, ils ont tout le temps un de leurs gars qui va derrière les lignes. Ce qui fait que si vous n'êtes pas regroupé, ben, c'est... très très compliqué de tenir une ligne de GF. Vous êtes tout le temps en infériorité. Et bon, ça fait toujours 3-2 pour le 45e. Non, ça fait 2-2. Ça fait 2-2 parce qu'il n'y a que 4 hommes. Non, ça fait 3. Ça doit être un BO10, donc non, ouais, ça fait 3-2. Con, moi quand même, hein. Un 45e régiment avec de très bons joueurs. Franchement, ils ont la gueule. Que ce soit Lovecat, RZR, Surcrime, Pyrex, Écombre, Lovecat, je sais pas si je l'ai déjà dit, Toxic, Exeter aussi qui est pas mauvais. Franchement, ils ont Juice aussi. Ils ont vraiment de très bons joueurs qui sont des anciens en plus. Dans les anciens de la commu, RZR, Deuce, Lovecat aussi. Des gens qui ont déjà joué dans plein de régiments et qui ont déjà fait de la compète. Enfin, qui ont des teams GF quoi, donc ils savent ce que c'est, y a pas de stress. Ils y vont au métier. C'est ça qu'ils sont généralement. Hein. RZR. Bon bah là, putain, je suis con, il y a un reset de score, mais. Il va sûrement être en haut du classement. Pas tout en haut, mais. Et puis en plus avec les invités qui viennent du deuxième,
Skeletor, Toxic, Dams. Un beau mélange. C'est long, hein. On va pas se le cacher, de meubler un match de NW, c'est compliqué. Et donc voilà, 45e qui cherche encore à avoir des tirs. Oh, le positionnement de la ligne. Attention, hein, le dernier. Derrière la ligne, il y a une position vraiment clé. Parce que comme là, vous avez vu, bah, c'était pas Exeter. Du coup, la ligne est partie un peu trop en perpendiculaire par rapport à celle du 18e. Et du coup, c'est bien plus simple de tuer des gens qui sont alignés que parallèle à votre ligne. Là, pour l'instant, c'est 18e qui a une avance d'un kill. J'allais dire deux, mais je sais pas pourquoi lui. Je crois que c'est quelqu'un qui vient de join. Où il est mort, je l'ai même pas vu parce qu'il est aveugle. Bon, là, ils vont se faire bloquer, hein. La droite recule et la gauche pousse. Donc là, ils se séparent pas. Donc, enfin, le 2v1, faut le finir vite là-bas au fond. C'est bien ça. Attention, voilà. Les bons kills qui sont pris par Exeter. Oh, le bump, trop nul. Allez, à droite, faut pousser. C'est beau ça, ah dommage. Avantage au 45e sur cette mêlée là. Allez les gars, on y croit, c'est beau. Ça bump, mais c'est incroyable quoi, c'est quoi ce jeu? Que des bumps. Et ben cette mêlée, elle avait de la gueule. Donc vous avez vu, ils ont fait la même technique que depuis le début, hein, genre ça n'a pas changé. Parce que de toute façon, c'est une bonne technique. Mais ils se sont bien plus paqués que tout à l'heure. Ce qui fait que ben, les 18e, ils sont juste fait avoir parce qu'ils sont moins bons, quoi. Hein, ils sont moins bons que le 45e. Ah là là. Les joueurs qui pensent que les 1v1 de LB c'est comme des GF. Ça m'a toujours fait extrêmement rire. Pour ceux qui sont pas dans la commu, qui connaissent pas, faut comprendre que c'est chiant d'avoir des régiments qui en face ne jouent qu'au tir, mais le tir est une des deux composantes majeures du jeu. S'ils parlent et ils font un kill au tir, donc. Et une des deux composantes majeures. Et si vous voulez pas faire de tir, bah vous allez dans une team GF, vous faites des GF quoi, mais. Vous plaignez pas que la team adverse essaie de tirer alors que c'est une de leurs forces. Que c'est une de leurs forces.
Bon, là pour le coup, vous étiez perdant, mais 25e au tir est pas mauvais. C'est ça. Ta prochaine proie. Hein. Bon. Un petit kill là. En vidéo, faites-moi plaisir. Ça vise trop bas. On va regarder ici pour voir si le 45e touche. Déjà, est-ce qu'il y a des taches de sang? Je connais pas les règles. Minute 30, ça doit être le nombre de minutes que tu as le droit de passer sur une colline. Vous avez fait la même règle sur la NWL. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont attendre. Ouais, ils vont attendre. Du coup, ils ont le droit de camp ou pas? Donc, 4-2, donc c'est un BO10, donc le premier à 6 gagne. Le premier à 6 gagne. Là, ça fait 4-2 pour le 45e. S'il gagne celui-là, il s'assure au moins le match nul. Le round, je crois. Il s'assure au moins le match nul. Qu'est-ce que c'est le bordel? Oh, vous savez quoi, je vais arrêter de meubler. Ça va être trop chiant. Je vais vous faire entendre. Ok. Alt ici. Oh, toi, on t'a. J'ai passé vos charges maintenant. Oh! Oh, les gars, putain, ouais. Il y a eu du fic? Du fic, oh, carrément. Gauche, faut reculer, back, hein. Faut back à gauche. Belgium, lâche ton coup et barre-toi. Je sais pas qui c'est tout sur la droite, mais fais gaffe. Full chic là, j'ai pas compris. Tu peux rentrer en ce lendemain. Bah, il est chic parce qu'on était déjà. En fait, on était déjà. On était déjà qui va combattre. Allez, on forme. Ils vont vraiment le compter? Bien sûr, tu crois quoi? Bah, oui, tu peux contester, c'est crime, non? Ça me dérange pas, j'en fous. C'est go faire un reset du round, gros. Ils font du chic et ils tuent. Le mec, ah oui, le mec il s'est tout seul. Ouais. Bah ouais, il a gagné la mêlée. C'est tout, le mec il est passé en spec 10 secondes avant la fin de la mêlée. Quand il avait déjà fait 2 kilos qu'avant. Bah c'est ça quoi. John Price. Ouais, 4-3. Hein. Ouais. Ça va pas changer, John Price, hein, c'est toujours le même connard. Non, c'est un truc.
Marquez pas le truc. Kanemito. C'est qui derrière? Pas devant du coup. Voilà. Bien. Continue. T'es loin, Xe. Hein. Ouais, je suis toujours. Dégage à droite. On va former à droite. Demi-tour, tête de flèche agressive. Gauche marche maintenant. Anticipé, pas de pâté les gars. Ah. Bien joué quand même les deux tirs. Demi-tour, prends à gauche. Demi-tour. Ça va, engagé. Ok, donc faut push à gauche. À gauche les gars, donc à droite ça back. À droite, savez, lâchez ça. Votre coup et barrez-vous. Bien joué pour Jeanne. Ouais. Attention à ce que les dames. Isolé le mec à gauche. Barrez-vous. Vers toi à droite, barrez-vous. Restez en groupe les gars, à droite, backé. Tu jettes, allez tous à gauche. Pyrex, reviens, tu peux. Le mec en 3-20 là, faut vite le tuer. Oh merde. Squelette, oh bâclé. Faut pousser encore à gauche. La droite. Lovecat qui reroule au bâclé. Le mec derrière, tu stabs tout le monde. Ah mais je. Joue ensemble. Oh. T'es tout seul, c'est une... à ma gauche. Oh, dommage. 4-4. Tu peux t'essuyer le front, Lovecat. Enfin, sur moi. Écoutez vraiment, les gars, quand on vous donne des conseils, où aller. Enfin, c'est pas on vous donne des conseils, c'est on vous donne plutôt des ordres, où aller au niveau du corps à corps. Quand on dit push à gauche, back à droite. À part vous le dire, on peut pas le faire à votre place, hein, les gars. Microphone activated. C'est bon, j'ai pas compris. Demi-tour et après c'est parti en tout. Parce que derrière ils nous ont accroché. Une fois que t'es emmêlé, c'était pas dans mon whisper. Une fois qu'ils nous ont accroché, je suis dans mon whisper CDG. Et sur ma gauche. Et je filme. On peut pas décrocher si tu veux. Ah, nice. Est-ce que t'as vu mon pas coup de pied pas sur le jeu là? Non, je regarde des vidéos. Mais non, je suis pas en jeu. Tu parles à moi, gros con. Ouais, c'est pas. Il va pas nous gêner. Ouais, t'es calé, c'est infâme. Je suis con, j'en ai deux à son dernier. La moitié de l'event en parlant tout seul, alors je vais venir ici direct. Demi-tour. Ne vous inquiétez pas, il va pas vous attaquer. Microphone muted. Calte ici, Fante. Gauche marche maintenant. Demi-tour. Anticipé. Ok, demi-tour. Demi-tour, il sort à gauche.
Alt ici, feu en tête. Non, tout à fait. Gauche marche, maintenant. Gauche marche, écoutez. Alt ici, feu en tête. Alt au feu, droite marche, maintenant. Alt ici, feu en tête. J'ai ma balle. J'ai ma balle. Alto, feu. C'est accroché. C'est bon. Hein. Faut pêche à gauche. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, attendez-vous. Allez, faut pêche à gauche. Pas quand même. Oh, les gars, wesh. Joue ensemble, les gars, ensemble. Backé à droite, hein, backé. C'est back. Love 4, lâche-le. Essaye de le cancer. Le mec derrière, terminé. Je Azmog, 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 barre-toi, Azmog, barre-toi. Voilà, pareil, dame, si vous barrez. Ah! Le 2v1, faut le terminer, les gars. Voilà. Okay, 4v4. Reculez un peu, on va monter. Vous écoutez RZR, les gars. Ça y est. Tournez à droite, tournez à droite. Mais tout en restant sur la colline. Revenez à gauche, revenez à gauche. Tu fais gaffe à ta part. Ah, restez ensemble, les gars. Vous séparez pas. Nice. Dommage. Essayez de vous regrouper, les gars, pour faire du swap. Je me donne. Oh, dommage, le chat. Merde, dommage, le 4. Le jeu, quand même. Bon, par contre, j'ai pas fixe, hein. Je suis presque sûr. Oui, oui, t'as pas fixe. Non, t'as pas fixe, pas. Allez, reforme sur moi. Bah, même Fossé le dit alors. Mais oui, mais c'est bien d'être admin de son propre truc. C'est quand même tout de suite. Et puis, ils sont folles aussi quand. Ils ont tiré et à droite, ils bougeaient déjà. Ils sont obligés de le gagner, celui-là. J'avoue, là c'était horrible. Demi-tour. Oh putain. Dégage à gauche. Enfin, on va à droite. Demi-tour. 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 Alt ici. Tournez à droite. Tournez à droite, marche. Demi-tour. Demi-tour, tête de fâche agressive. Ok, gauche marche. Alt ici, fin. Chargé. Droite marche maintenant. T'es solo, exiter. Vive la patrie! Le fusil, t'es pas chargé, tu sais. Mais le canard a passé. J'ai pas tiré pourtant. Pierre, ça t'avale, toi? Non. Non. Demi-tour.
Ah, petit siffle en tête. Droite marche, droite marche, droite marche. Oh putain. Ah, petit siffle en tête. Putain. J'ai chargé. Et point torse, ça, en plein. Oh merde. Ok, j'ai pas mon fusil servi. Ah, t'as feu. Reculé à. Cette droite, la baquet. Baquet pas. Baquet pas, là. Ah, faut pousser quelque part parce que sinon va. Faites pas vraiment rien, les gars. Jouez ensemble, jouez ensemble. Regroupez-vous par. Par groupe, les gars. Ouais, je prévenais. Mais t'es GG là quand même. Jamais pour un connard pareil.